à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l'éducation. Un baromètre qui a été mis en place par le réseau Éducation et Solidarité et la fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique. Donc, avant de présenter nos intervenants, alors on m'a demandé de vous transmettre quelques petites consignes pratiques. D'abord, vous êtes dans le monde entier, donc vous avez accès à une fonction interprétation en anglais, français, espagnol et arabe via la plateforme. Si vous connectez, si vous cliquez sur le petit globe qui est sous votre écran. On me demande aussi de vous dire que vous devez laisser votre micro fermé, indiquer dans le chat en fait quand vous souhaitez prendre la parole ou poser une question. Et voilà, bien sûr, l'ensemble des résultats sont aussi disponibles en ligne. Le lien va vous être indiqué dans le chat. Sans plus tarder, en fait, c'est Alain Coeur, vice-président du réseau Éducation et Solidarité, qui va d'abord vous donner son petit mot de bienvenue. Merci beaucoup, Aurélie. Oui, effectivement, un petit mot de bienvenue et de présentation. Pour rappeler peut-être qui est le réseau Éducation et Solidarité, qui maintenant a été créé il y a déjà 12 ans à l'initiative de trois organisations internationales de l'éducation et de la protection sociale, à savoir la MGEN, que vous connaissez, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, l'Association Internationale de la Mutualité, l'AIM, et l'Internationale de l'Éducation. À l'origine de ce réseau, il y avait une conviction principale, c'est que la santé et l'éducation sont interdépendantes. La santé est indispensable pour une éducation de qualité et à son tour, l'éducation permet aux individus d'être en mesure de faire des choix de vie sains, d'être en bonne santé pour le futur, donc de mieux se prendre en charge. Ainsi, construire des ponts entre les acteurs de l'éducation et de la santé au-delà des frontières doit permettre d'œuvrer pour le bien-être des communautés éducatives et plus largement pour l'extension des systèmes de protection sociale solidaire pour toutes et tous, partout dans le monde. Ce sont des objectifs que nous menons au sein de notre association. Aujourd'hui, le réseau regroupe 40 organisations de la société civile, de l'économie sociale sur 5 continents. Ce sont des mutuelles de santé, des syndicats de l'éducation qui partagent les mêmes valeurs de démocratie, de solidarité, des objectifs communs, rendre les soins accessibles, promouvoir la citoyenneté sociale dès le plus jeune âge, garantir des conditions de travail et de vie dignes et décentes pour toutes et tous. Afin de pouvoir amener des organisations du monde entier à réfléchir ensemble, même virtuellement, à comment améliorer le bien-être des communautés éducatives, est une des missions du réseau. Pour cela, c'est avec un grand plaisir de vous voir connectés aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà plus d'une centaine de personnes sur tous les continents. Et je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement, non seulement pour participer à ce webinaire, mais également pour toutes ceux et celles qui ont pris le temps de participer à cette étude sur le baromètre. La présentation du projet, je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus, puisque nous allons y revenir dans quelques minutes, mais c'est un travail que nous avons mené déjà depuis un certain nombre de temps, une réflexion, avec un baromètre qui répond à plusieurs besoins, sur des sujets qui sont, avec la pandémie, devenus encore plus aigus aujourd'hui, plus visibles, plus critiques. Tout d'abord, il s'agit de connaître le vécu, les conditions de travail et les besoins des communautés éducatives en matière de santé, afin de donner des outils à nos organisations pour qu'elles puissent mener à bien leur plaidoyer dans leur pays ou à l'international. Le baromètre est aussi un outil au service de futures initiatives de coopération internationale, car il nous permet d'identifier les tendances dans les différents pays et nous permettre à partir de ce moment-là de faciliter les échanges de bonnes pratiques. C'est tout d'abord un projet issu d'une collaboration internationale. Pour créer le baromètre, le réseau a rassemblé des acteurs de l'éducation, de la protection sociale, des expertes et des experts de la santé, des communautés éducatives du monde entier. De la co-construction du questionnaire à la diffusion de l'enquête via les membres du réseau et ses partenaires, la création du baromètre s'est appuyée sur une intelligence collective de toutes ces personnes et organisations, de Québec à Taïwan, en passant par le Maroc. Le baromètre s'inscrit également dans une démarche de recherche-action
nous avons facilité la mise en relation des chercheurs, des actrices, des acteurs de la société civile. Je pense, comme tu l'as cité en commençant, la Fondation MGN pour la santé publique, partenaire essentiel du baromètre, mais aussi de la chaire UNESCO, éducation et santé, qui a collaboré au projet. Nous continuerons à accélérer cette dynamique de production de connaissances au service de l'action lors de prochaines éditions du baromètre. Ça ouvre un champ de perspectives énorme, tant ce baromètre est riche dans son contenu et dans le potentiel d'exploitation que nous pouvons faire. Avant de vous laisser découvrir les résultats de l'enquête, je finirai en mentionnant notre premier renseignement à l'issue du terrain de l'enquête en juillet dernier, quand nous avons vu ces milliers de personnes qui ont consacré du temps, comme je le disais, pour répondre aux questionnaires. Cette forte participation pour une première édition de ce baromètre témoigne non seulement du grand intérêt pour le sujet de la part des personnels de l'éducation, mais aussi de l'urgence qu'il y a à répondre aux nombreux enjeux que je vous ai mentionnés. Ceci, tout comme votre présence aujourd'hui, nous oblige et nous motive pour continuer et mener des actions au service du bien-être des communautés éducatives dans le monde, avec vous. Au nom du réseau Éducation et Solidarité, je souhaite remercier à nouveau la Fondation MGN pour la santé publique, partenaire, ainsi que l'Internationale de l'éducation, co-organisatrice de cette réunion d'échange. Un immense merci à Andy Angriffs et Denis Shirley de nous accompagner aujourd'hui. Enfin, je tiens à te remercier, Aurélie, pour l'animation de cette rencontre, ainsi que de conversation, et la MGN pour cette mise en relation via leur partenariat. Voilà, je te rends la parole pour la suite des événements. Voilà, normalement c'est bon, j'ai réactivé le micro. Je pense que vous m'entendez. Les micros sont désactivés en fait. On vous entend, oui. Vous m'entendez? Bon, bah c'est parfait. Il y a tout un système pour qu'il n'y ait pas de cacophonie et qu'on ne parle pas tous en même temps. Voilà. Donc merci, voilà, Alain Coeur. Oui, j'ai oublié de vous préciser, en fait, je suis chef de rubrique éducation pour le site The Conversation, qui vise à éclairer l'actualité par la recherche. Et on a justement publié ces résultats sur notre site à travers un article de Marie-Noëlle Vercamp-Jacot, qui est la chercheuse qui a travaillé sur toutes ces données donc, qui concernent le vécu des enseignants, le ressenti de ses conditions de travail, les différentes tendances, sachant qu'elle peut les remettre en perspective par rapport à un précédent baromètre qui avait été établi en 2013. Donc Marie-Noëlle, voilà, on vous laisse présenter ces différents résultats qui montrent un certain nombre de choses par rapport à la crise du Covid qui permettent de souligner l'extraordinaire résilience du monde enseignant, mais aussi un certain nombre de problèmes structurels qui existaient déjà avant. Je vous laisse la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui? Merci pour cette introduction. Donc, je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous présenter les résultats du baromètre. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur le contexte dans lequel s'est bâti ce projet. Monsieur Coeur en a déjà dit quelques mots. Mais à la base du projet, il y a vraiment cette conviction partagée par le réseau Éducation et Solidarité et la Fondation MGN pour la santé publique, de l'importance de la santé des personnels de l'éducation. Alors, pourquoi? C'est déjà une population importante d'adultes. Et donc, si ces personnes se portent bien, c'est positif pour elles, pour la population en général. Bien entendu, il y a aussi ce facteur incontournable de performance du système éducatif qui passe par la santé des personnels, des enseignements de qualité, moins d'arrêts de travail pour raison de santé. Et on comprend vraiment de manière systémique cette articulation entre la santé des personnels de l'éducation et la santé des élèves, parce que donc, ces personnels vont transmettre des savoirs fondamentaux, mais beaucoup plus tout ce qui est capacité de raisonnement, socialisation, voilà, donc une approche très globale. Si les enseignants, si les personnels de l'éducation se portent bien, cela, à tôt ou tard, joue sur le bien-être des élèves, les générations futures. Alors, si on comprend bien cette conviction, on comprend aussi pourquoi la question de la santé des enseignants revient si souvent dans le débat.
Par contre, les réponses qui sont apportées à cette question, comment vont les enseignants dans le monde, sont approximatives, voire contradictoires. Il y a cette vision parfois idyllique de la profession enseignante, un enseignant souriant devant des élèves concentrés. Au contraire, à l'autre bout de cette représentation des enseignants, il y a cette vision très, très alarmiste d'enseignants épuisés face à des élèves indisciplinés. Donc, si on peut avoir quand même des éléments pour répondre plutôt de ce côté-là, plutôt de ce côté-ci, toujours en restant avec certaines nuances, il y a eu en plus cette crise, cette pandémie qui a heurté le monde de plein fouet et le monde scolaire en particulier. Donc, on a vraiment besoin d'éléments scientifiques, en tout cas des données actualisées, recueillies donc dans des échantillons le moins sélectionnés possible, le plus représentatif. Et donc, c'est dans cette dynamique que s'inscrit le baromètre. Alors, en pratique, comment cela s'est-il passé? Le réseau Éducation et Solidarité, ses partenaires et la Fondation MGN pour la Santé publique ont réfléchi à un questionnaire. Et ça a abouti à un questionnaire d'une centaine de questions sur la santé, le bien-être professionnel, le ressenti, les conditions de travail. Ce questionnaire a été mis en ligne entre mai et juillet 2021 dans 6 pays ou régions participantes à cette première édition, la Gambie, le Mexique, le Québec, la Belgique, la France et le Maroc. Au final, 8000 enseignants originaires de ces 6 territoires ont participé à l'enquête en ligne. À noter donc que les tailles des échantillons par pays vont de quelques centaines au Maroc, Gambie, Mexique à quelques milliers en France, Québec, Belgique. Donc, sur les échantillons du Maroc, de Gambie et du Mexique, l'extrapolation des résultats à l'ensemble de la population enseignante doit se faire avec une certaine prudence. Pour la France, le Québec et la Belgique, donc on avait plusieurs milliers d'enseignants qui ont répondu, originaires de ces 3 pays, on a pu, dans ce cas-là, redresser les résultats par pondération sur le sexe et le degré d'enseignement, primaire, secondaire, également sur l'âge pour la France et la Belgique. Donc là, on raisonne avec une structure d'échantillons représentative en sexe, âge et niveau d'enseignement. J'aimerais quand même bien souligner cette diversité des pays qui ont participé à cette première édition sur le plan socio-économique, politique, culturel, mais aussi sur le plan de la crise sanitaire, puisque certains pays étaient encore géraient une vague épidémique, notamment au Mexique où 80% des enseignants étaient à distance, enseignaient à distance. Donc toutes ces différences doivent être prises en compte quand on compare les statistiques entre les pays. Les résultats maintenant. Alors, commençons par la santé générale. Donc, d'un point de vue très, très, très global, sans référence au travail. À la question « Comment évaluez-vous votre santé ?», entre 8 et 9 enseignants sur 10 vont répondre plutôt positivement à la question. C'est ce bleu que vous voyez sur le graphique et par pays, là, le taux. Donc, une santé générale, subjective, et plutôt compris dans, probablement dans son acceptation santé physique, plutôt préservée chez les enseignants. Heureusement, c'est quand même eux qui doivent, sur le terrain, transmettre les savoirs à nos enfants. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à la dimension psychologique de la santé, cette dimension apparaît fragilisée dans certains pays, notamment la France, la Belgique et dans une moindre mesure au Québec, où le taux d'enseignants qui éprouvent souvent, très souvent, toujours des enseignants négatifs est assez important, un enseignant sur deux en France. Donc des idées noires, des sentiments négatifs. Sur les indicateurs contextualisés travail, de bien-être au travail,
La situation est beaucoup plus morose puisque donc, le taux d'enseignants qui estiment leur travail assez ou très stressant est variable selon les pays, de 39% en Gambie à 81% en France. Mais il y a quand même une large majorité d'enseignants qui trouvent leur métier stressant. C'est dans le contexte de la crise sanitaire, hein, puisque l'enquête a eu lieu à la fin de l'année scolaire 2021. Cette morosité se retrouve dans la satisfaction professionnelle. Vous avez ici deux indicateurs de satisfaction professionnelle, des phrases où les enseignants doivent se situer s'ils sont d'accord, tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. Et on voit que le taux d'enseignants qui ne sont pas d'accord avec ces assertions est important. Les avantages du métier d'enseignant compensent largement ces inconvénients. Si c'est à refaire, je choisirais de nouveau le métier d'enseignant. Donc, notamment en France, en Belgique et au Québec, ces taux sont importants. L'enseignant insatisfait. L'insatisfaction recouvre aussi d'autres aspects, enfin, de nombreux aspects plutôt du travail. Les possibilités d'évolution, le salaire, l'équilibre vie pro, vie privée, avec tous ces indicateurs plutôt dans le rouge, ou ces taux importants d'insatisfaction. Alors, un des enseignants marquants du baromètre, ça a été de montrer la banalisation de la violence sur le lieu de travail, notamment en France, au Québec, en Belgique, avec un enseignant sur trois qui ont été victimes de violences physiques, morales ou en ligne durant les 12 derniers mois. Un enseignant sur trois. Bien sûr, cette violence directe pèse sur le bien-être et également la violence plus indirecte lorsqu'on a été témoin de violence. Et pour avoir les taux d'enseignants témoins de violence sur les 12 derniers mois, il faut à peu près multiplier les taux d'enseignants victimes par 2. Donc 6 enseignants sur 10 dans les pays France, Québec, Belgique qui ont été témoins de violence sur leur lieu de travail dans les 12 derniers mois. Passons à l'environnement physique. Les avis sont partagés dans le sens où, pour le coup, tous les niveaux de satisfaction, du très satisfait au très insatisfait, sont représentés de manière non négligeable. Donc, il y a probablement au sein même de chaque territoire des facteurs qui entrent en ligne de compte. À noter quand même une insatisfaction qui interpelle au Maroc, même si la satisfaction n'est pas optimale dans tous les pays. Mais par comparaison, notamment pour tout ce qui est matériel pédagogique, espace pédagogique et Internet, le niveau d'insatisfaction au Maroc interpelle. Donc, un tableau assez sombre, mais il y a quand même un domaine pour lequel la satisfaction est révélatrice. Mais comment évaluez-vous la qualité de votre relation avec la direction d'établissement, les collègues, les parents d'élèves, les élèves? La satisfaction est là, pour le coup, très prévalente. Et cela, peut-être, c'est une hypothèse, mais dans le contexte de la crise sanitaire, de cette solitude, de ces confinements, il y a eu probablement une prise de conscience de l'importance de ces relations sociales. Alors, on ne pouvait pas faire ce baromètre sans un focus Covid, étant donné la conjoncture. Et alors, les résultats sont bien sûr, je me répète, mais la situation sanitaire était très variée au niveau sanitaire dans les pays participants. Et donc, les préoccupations professionnelles des enseignants qui répondent sont fonction de cette situation, sont influencées par cette situation. Mais on retrouve quand même de manière assez récurrente la charge de travail et l'équilibre vie pro, vie perso. Et dans les pays qui sont encore en train de gérer une vague de plein fouet, on a ces inquiétudes pour les élèves ou par rapport au fait de contracter la COVID-19. À la question aujourd'hui, quel est votre ressenti face à la crise COVID ? Entre 6 et 7 enseignants sur 10 répondent plutôt favorablement du côté « j'ai pu m'adapter ».
Donc, une résilience, les enseignants font face à une résilience de la profession, mais ne pas négliger quand même cette part qui va de quelques pourcents à plusieurs, enfin à 20% d'enseignants qui répondent « je suis déstabilisé ». Alors, pour résumer, donc, une santé préservée, mais des enseignants éprouvés, et donc un bien-être professionnel entamé. Une situation quand même très hétérogène selon les territoires. Et en creux de ces réponses des enseignants, des pistes d'amélioration qui apparaissent. Quand on parle de cette violence qui est banalisée, on se dit qu'il y a probablement quelque chose à faire au niveau de la prévention, au niveau de la médiation. Ou quand on parle de cette absence de possibilité d'évolution, il y aurait des choses à développer pour développer les opportunités. Mais il y a aussi d'autres questions qui ont vraiment aiguillé sur des pistes d'amélioration importantes, c'est notamment le besoin de formation. Et alors là, il y a un consensus des six territoires, des six pays participants, avec plus de 6 enseignants sur 10, souvent 7 enseignants sur 10, qui diront qu'ils identifient un besoin de formation. Donc, quelque chose de très unanime. Par contre, donc les sujets de formation sollicités vont dépendre de l'ancienneté, avec des thématiques plus pédagogie, gestion des élèves chez les jeunes enseignants, et plus orientées outils numériques chez les enseignants qui ont plus d'ancienneté. Une autre piste d'amélioration se trouve au niveau de la médecine du travail. Clairement, la médecine du travail dans l'éducation manque de moyens. Les taux d'enseignants qui n'ont jamais eu de rendez-vous pour un bilan de santé avec la médecine du travail est assez parlant. Il y a aussi une marge de progression par rapport à l'accès aux soins, notamment au Maroc, en Gambie et au Mexique, avec ce taux d'insatisfaction qui est assez important. Et j'aimerais m'arrêter toujours comme piste d'amélioration sur la valorisation de la profession enseignante. Le métier comporte des efforts, demande des efforts de la part des enseignants, et encore plus en ces temps de crise, il a fallu s'adapter à tout ce qui est enseignement à distance, à des nouveaux protocoles, donc être très réactif. Donc des efforts incontournables. Et pour équilibrer, en tout cas, pour que ça ne pèse pas trop fortement sur le bien-être, il faut qu'il y ait des reconnaissances, des récompenses. Et cette valorisation participe à rééquilibrer la balance. On voit bien donc ce premier graphique qu'il y a un problème par rapport à la valorisation de la profession enseignante, notamment en France, en Belgique et dans une moindre mesure, mais également au Québec. Également par rapport à la valorisation reçue de la direction de la hiérarchie en France et en Belgique, on note une certaine marge de progression possible. Voilà, donc un regard sur les résultats du baromètre. Tous les résultats détaillés sont disponibles sur le site du réseau Éducation et Solidarité, les rapports détaillés par pays. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Que dire de plus ? Ces données sont vraiment au service de la promotion de la santé, du bien-être des personnels de l'éducation, mais à terme de l'ensemble de la communauté éducative. Donc, place à l'action et au suivi aussi des indicateurs. Et donc, ce baromètre devrait être renouvelé d'ici à 2 ans. Donc, bien sûr, on va suivre ces indicateurs. Et rendez-vous dans 2 ans. Donc. Merci. Merci Marie-Noëlle. Je pense que c'est bon, vous m'entendez ? Oui, merci pour cette présentation. Il y a d'autres points sur lesquels on pourra revenir parce que c'est une présentation qui est synthétique. Vous restez avec nous et on va discuter de tout ça donc avec Andy R. Greaves et Denise Shirley. Vous êtes tous les deux professeurs à la Lynch School of Education du Boston College
et vous êtes co-auteur d'un livre sur le bien-être, alors qui est déjà sorti, enfin qui n'est pas encore publié dans tous les pays, mais ça ne tardera pas. Si vous voulez juste dire tous les deux un petit mot pour vous présenter aux participants, je vous laisse ajouter des précisions. Sinon, on peut dire qu'on se va être aussi. Hello everyone, bonjour tout le monde. Just to identify ourselves, I am. Alors, je m'appelle Andy Hargreaves. Je vous parle depuis Ottawa. Et je voudrais vous présenter mon collègue. Bonjour, je m'appelle Donna Shirley. Merci. Je vous parle depuis Massachusetts. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Je me réjouis de nos échanges. Et donc, avec nous aussi, si vous m'entendez, donc Alice Holst. Alice Holst, c'est ça. Voilà, je vous laisse vous présenter en deux mots. Vous aussi. Alice. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Aldis Holtz, je suis secrétaire générale adjointe de l'International de l'éducation. Je vous parle depuis Oslo. Je voudrais féliciter Andy et Dennis. Alors, Oslo est dans ce pays où nous accueillons la communauté SOMI. Merci à tous les trois. Alors d'abord, par rapport aux résultats que nous a présenté Marie-Noël, l'idée serait que vous identifiez chacun, tour à tour, un élément qui vous marque en fait dans cette présentation par rapport à ce que vous connaissez de la santé des enseignants, les recherches que vous avez déjà menées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble surprenant, une tendance qui vous semble particulièrement forte à souligner? On commence avec vous, Andy Hargreaves. Okay, well, Dennis, why don't you start instead? Because moi, je propose de donner la parole à Dennis. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ce rapport très original et très instructif sur le bien-être des enseignants. Andy et moi-même avons lu beaucoup de choses avec beaucoup d'intérêt et je trouve que c'est un travail remarquable qui vient d'être fait, de vraiment mettre en avant l'expérience que font les enseignants aujourd'hui dans le cadre de la pandémie. Et ce qui me frappe le plus, peut-être, c'est la diversité des réponses. C'est le degré de variation entre la satisfaction, ceux qui connaissent la violence au lieu de travail, ceux qui utilisent des technologies, ceux qui n'en utilisent pas du tout. Donc, cette grande variété de situations, je trouve que ça peut être un très bon travail en mettant en avant tout cela. Et je voudrais dire quelques petites choses parce que nous avons fait avec Andy une recherche sur le bien-être et je pense qu'il y a peut-être une chose à mentionner, c'est que l'absence de mal-être ne signifie pas pour autant qu'il y a bien-être. Et ça, c'est très un point de vue, en tout cas, du point de vue de la science, des sciences sociales. C'est pas parce que vous vous sentez pas mal que vous vous sentez bien. Ça, c'est une chose que je pense qu'il est important de garder présent à l'esprit dans la recherche. Deuxième point auquel je vous demanderai de réfléchir, c'est au contexte politique dans lesquels se trouvent ces écoles, ces systèmes. Est-ce que les droits humains sont respectés? Est-ce qu'ils peuvent se syndiquer? Quel est le statut de la démocratie dans cette juridiction? Et la troisième chose concerne les opportunités professionnelles dans ces différents territoires. Par exemple, certains ont dû tout d'un coup utiliser les technologies tout d'un coup pendant la pandémie, et puis du point de vue des écoles aussi. On peut penser à l'enseignement à l'extérieur, plutôt que d'être enfermé dans des classes. Voilà, c'est trois premières remarques que je voulais faire en guise d'introduction, mais de manière générale, je trouve que ce rapport est vraiment précieux et très instructif. Andy? Merci. Si Denis, juste, donc vous tenez à souligner l'extrême diversité en fait du métier enseignant en fait, parce que souvent on parle de prof, voilà, d'enseignant en imaginant, en ayant des images un peu d'épinal, comme disait
Marie-Noëlle, des images toutes faites. Donc, vous soulignez en fait cette extrême diversité du métier. Il y a peut-être aussi un point dont Marie-Noëlle parlait par rapport au Covid. Vous dites que ça dépend du contexte. Mais si j'ai bien compris, Marie-Noëlle, il y avait quand même des points qui ressortaient au-delà de la variété, la charge de travail et l'absence de planification institutionnelle, quels que soient les pays. Marie-Noëlle, peut-être là-dessus. Alors, l'absence de planification institutionnelle, c'était vraiment typique de la France. D'accord, ok. Voilà, donc non, c'est difficile de faire des généralités. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et très intéressée par l'idée que l'absence de mal-être ne veut pas dire bien-être. Et notamment sur certaines questions, il y avait une part de ni satisfait ni insatisfait importante. Voilà, donc merci. D'accord. Andy, en plus, on vous écoute. Ok, thank you. Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire que je suis d'accord avec ce que Davis nous a dit en termes de l'importance de la pandémie et montrer effectivement que c'est une profession qui travaille dans des systèmes différents, des cultures différentes, des difficultés différentes. Il y a trois pays qui sont passés en ligne, l'apprentissage en ligne, le Mexique a obtenu d'autres résultats. C'est peut-être une question culturelle ou systémique. Et puis, ça peut être lié au fait que bien souvent, l'enseignement à distance a été fait via la télévision. Alors, il faut voir la manière dont les gens ont vécu la pandémie également. Alors, on a parlé bien sûr du bien-être, mais il faut prendre en considération le bien-être des élèves également. Et alors, on nous a demandé de retirer le chapitre « Le bien-être des enseignants », mais nous avons un document sur ce point. Il est très important de voir ce dont nous avons parlé sur la durabilité, du bien-être des enseignants. Et il semble qu'en d'une certaine manière, lorsqu'on se penche sur l'enseignant, il y a un problème de stress, de charge de travail. Et c'est un paradigme un peu ancien qui nous mène à voir comment surmonter les déséquilibres entre la vie professionnelle et privée. Et il est très intéressant de voir ce que Denis nous a dit en termes de bien-être. Nous avons 222 enseignants que nous avons interviewés et ils disaient qu'ils se sentaient bien lorsqu'ils avaient de bonnes relations et pas lorsqu'ils avaient de mauvaises relations ou pas de relations du tout. Dès lors, les relations pour les enseignants, bien sûr, sont essentielles, sont les relations avec les étudiants. Donc ça, c'est un aspect à prendre en considération. Et lorsqu'ils souhaitent la formation, c'est parce qu'ils ont des problèmes de gestion dans les classes avec les enfants et étudiants. Et il est intéressant de voir le point positif en termes de collégialité, d'échange avec les collègues, avec les responsables, les directeurs, etc. Et ce qu'on sait des recherches du secteur de l'éducation et de l'IE au cours de la pandémie, c'est que la collaboration a augmenté parce que les gouvernements ne savaient pas ce qu'ils devaient faire au cours de la pandémie. C'est-à-dire que les enseignants se sont tournés les uns vers les autres. Et bien sûr, personne ne voulait de réunion Zoom en fin de journée. Alors, il y a eu en fait des tendances qui se sont développées. Il est très important également d'avoir une aide
de l'administration. Et ça a été considéré comme extrêmement positif, également beaucoup plus positif qu'on ne le pensait. Et alors, il serait intéressant de voir, d'avoir une question sur le soutien qu'on a obtenu des gouvernements. Et peut-être que dans certains cas, en fonction des gouvernements, les enseignants auraient du mal ou auraient eu peur de répondre à ces questions. Autre chose. Alors, qu'en est-il des questions liées en termes de bien-être durable des enseignants? C'est que lorsque vous avez le sentiment que vous accomplissez votre tâche, l'autonomie est très importante. Mais c'est très important en termes d'insatisfaction et en termes de manque de valorisation si vous n'avez pas cette autonomie. Merci. Et les enseignants ne se sentaient pas bien lorsqu'ils devaient mettre en œuvre des tests standardisés, normalisés, qu'ils ne pensaient pas appropriés. Donc, il faudra avoir des questions plus précises en termes de tests, évaluations, etc. Alors, ensuite, revenir à un point soulevé par Denis, nous pensons que le bien-être s'améliore, non pas toujours lorsqu'il y a un équilibre entre la vie professionnelle et privée. Alors, bon, bien sûr, si on pose la question, est-ce que vous avez une vie équilibrée? Ils disent, bien sûr que non, mais finalement, j'aime mon métier. Mais ce qui est très important, c'est de savoir comment vous ressentez votre travail et comment vous ressentez votre vie professionnelle et comment cela est interlié. Merci, Andy. C'est très, très riche. Vous abordez plein de points et on va revenir sur tout ça, pas de souci. On retient en fait ce que vous dites aussi sur le collectif. Donc, Je voulais terminer maintenant, donc pas de souci. L'importance des relations professionnelles, parce que cette crise du Covid, c'est vrai qu'elle a montré l'importance du collectif, des échanges entre enseignants, parents, toute cette cohésion de la communauté éducative. Avant que vous poursuiviez, Andy et Denis, Aldis Holst, en fait, revenez, on voudrait avoir votre point de vue sur ce baromètre, sur ce qui ressort, selon vous, de plus frappant, de plus marquant dans ces résultats. Oui, je n'étais pas sûre de savoir si c'est à moi que vous vous adressiez. Oui. Votre position, là, voilà, le point que vous aimeriez faire ressortir dans tous ces résultats présentés par Marie-Noël. D'abord, j'aimerais remercier Marie-Noël pour sa présentation, pour son rapport, et Andy et Denis également. C'est un rapport extrêmement utile pour nous. La première chose qui m'a frappée va dans le sens de ce que Andy et Denis ont dit, c'est qu'on voit des points communs qui confirment d'autres signaux que nous avons trouvés dans d'autres recherches, toutefois différentes également, ce qui montre que la première leçon est que c'est utile pour les organisations membres dans les 6 pays de prendre ces données et de les analyser en profondeur pour voir ce que ça signifie pour eux et quelles sont les priorités sur lesquelles on doit travailler pour améliorer les choses et pour ne pas perdre non plus les domaines dans lesquels ça se passe bien. Ensuite, ça a été fait bien sûr au cours de la pandémie, comme vous l'avez dit, certaines juridictions étaient fermées, d'autres pas, différents modes d'enseignement à ligne, mais si on envisage le monde dans son ensemble, ce n'est pas bien sûr une situation normale. Et la résilience qui a été soulevée au cours de la pandémie est très importante ici. Alors, il est très important également d'aller de l'avant, de reconnaître cette résilience, mais il faut être très prudent de ne pas rentrer dans une situation où la crise devient la norme, où on n'assumera pas que les éducateurs
ont pu aborder des situations très difficiles et que dès lors, ça doit faire la norme, on doit continuer dans la même norme. Alors, une chose qui m'a frappée et qui m'a inquiétée, si je puis le dire ainsi, c'est la violence, le taux d'enseignants qui ont fait part de violences. Bien sûr, il y a les violences des étudiants, violences de la part de collègues ou d'autres acteurs. Mais pour moi, c'est un signal extrêmement préoccupant, extrêmement inquiétant. Je n'ai pas de données du passé, mais il semble que cette violence est en plus augmentation et je crois que les différentes juridictions doivent savoir d'où viennent les violences et ce qu'on peut faire pour contrôler cela parce que c'est une situation extrêmement inquiétante. Ensuite, dernier commentaire lié à la pandémie. Vous n'avez pas encore fait un commentaire à ce niveau sur du point de vue de la santé. Dans le baromètre, il y a des questions sur l'environnement physique. Sur des éléments tels que la qualité de l'air, tels que la qualité du son. Et au cours de la pandémie, il était très important d'avoir dans les écoles l'apprentissage en présentiel et que lorsqu'il y avait un apprentissage en présentiel, que l'environnement était sain. Et beaucoup de bâtiments n'ont pas offert un environnement sain pour les étudiants et pour les enseignants. C'est la raison pour laquelle maintenant nous devons essayer d'avoir des informations et nous focaliser sur l'amélioration des conditions des bâtiments pour que ce point progresse également. Bien sûr, dans certains cas, on n'a pas pu amener les enfants dans les écoles parce que l'air n'était pas suffisamment sain pour un enseignement en présentiel. Alors, il faut qu'il y ait des normes qui soient améliorées dans les écoles à ce niveau. Bien sûr, il faut saisir l'occasion. Il faut mettre ce point à l'ordre du jour. Il faut que l'on focalise sur cela également. Dernier point, le rapport nous dit également que on a bien sûr applaudi les éducateurs, les enseignants au cours de la pandémie. Mais finalement, c'est très bien pour votre bien-être parce que c'est une reconnaissance. Mais à long terme, les discours et les applaudissements ne sont pas suffisants. Les applaudissements et les discours doivent être suivis d'actions et d'accompagnement, de soutien pour avancer. Je crois que c'est très important. Voilà, je m'en tiendrai à cela pour l'instant. Et je reviendrai avec d'autres commentaires peut-être ultérieurement. Merci. Bien sûr, à partir de, enfin, dans 5 minutes, on va commencer à prendre vos questions. Vous n'hésitez pas à les envoyer par le chat. Avant de passer à vos questions, il y a une question. Je voudrais qu'on voit avec vous cette question de la reconnaissance du métier enseignant. Il ressort de ce baromètre, enfin, qu'il y aurait une insuffisante reconnaissance de la hiérarchie. Une insuffisance reconnaissante valorisation sociale. Or, voilà, les enseignants ont fait preuve de résilience et vous-même, vous l'avez souligné au début de la présentation, cette question de la santé des enseignants, elle est cruciale pour une société, pour que les élèves aillent bien. Et en même temps, on a l'impression que c'est pas… Enfin, à la fois, c'est un point essentiel qu'on peut tous remarquer et en même temps… C'est pas assez reconnu. Il y a une sorte de paradoxe un petit peu entre les deux. Denis, je vois acquiescer là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer de plus? Il y a une sorte sur ce paradoxe en fait entre un manque de reconnaissance et puis l'importance du sujet. Denis, Aldis, Andy, qui veut réagir? Yeah, it's we know that. Oui, nous savons que le statut de la profession, les conditions de travail sont très importantes pour l'enseignant et pour la qualité de l'enseignement, pour attirer et retenir les enseignants.
Je crois que le moment est venu de se pencher justement sur ce que le public a appris au cours de la pandémie. Parce qu'en fait, ils ont vu les enseignants qui enseignaient en ligne et ils ont parfois dû enseigner également. Ils se sont rendus compte que bon, ils n'étaient pas très bons et ils n'avaient pas de plaisir à enseigner à leurs enfants. Alors, il faudrait peut-être tirer les enseignements de cela, voir si la vision du public a changé au cours de la pandémie, ou est-ce que cette vision est meilleure maintenant de l'enseignement? Alors, comment maintenir justement cette vision meilleure? Comment obtenir le soutien public au niveau politique également? Alors, il faut voir si le politique est prêt à donner davantage d'autonomie et davantage de respect à la profession. Le moment est à saisir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Andy. C'est au cœur de ce que les syndicats font, en quelque sorte. On essaye de représenter nos membres, bien sûr, et de faire en sorte que les enseignants réagissent et soient reconnus. Et bien sûr, il faut que vous soyez payés d'une manière qui montre qu'on reconnaît le travail que vous faites, qu'on apprécie le travail que vous faites. Et tous les enseignants dans le monde, en général, n'ont pas le sentiment d'être reconnus suffisamment via leur salaire. Bien sûr, il faut apporter un soutien aux enseignants. Et bien sûr, le développement professionnel est très important parce que ça fait partie du soutien que vous donnez. Ça vous permet d'avoir de bien travailler. Et bien, vous avez une bonne idée de ce que vous faites. Vous êtes fier de ce que vous faites. Et alors, il y a également le soutien de vos supérieurs. C'est très important également. Il y a bien sûr, c'est les collègues et les leaders qui vous donnent un retour au quotidien. Et s'ils ne donnent pas ce retour de manière efficace, qui a un sens pour vous, eh bien, vous perdrez ce sentiment d'être reconnu, sentiment d'avoir un statut. Et bien sûr, et la charge de travail, on a commencé avec cela, mais c'est très important. Et il faut savoir ce qu'on entend par charge de travail. Parce que si votre charge de travail a un sens, vous pouvez continuer. Mais si votre charge de travail dépend de choses qui n'ont rien à voir avec votre travail à ce moment-là. Vous l'appréciez d'une manière tout à fait différente. Je crois que ce sont des points qui doivent être déchiffrés par la majorité des pays pour voir ce qui est plus important et ce qui devrait faire l'objet d'une action de notre part. Mais merci, Aldous, pour ce commentaire. Andy et moi-même ont parlé de ce qu'on entend par le bien-être pour la société, par rapport à l'austérité, la prospérité, etc. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont été laissés de côté en termes, au cours de la pandémie. Vous avez les préparations des tests. Il y a eu beaucoup de choses administratives qui distraient en fait les enseignants de leur tâche principale. Et une des choses qui m'a étonnée, et j'ai un chapitre sur cela, qui concerne le bien-être physique, d'être dehors dans le monde, qui est d'être physiquement en bonne santé. Je fais un cours en ligne, je suis dans la région du Ouest où, en fait, la qualité de l'air a été très, très mauvaise. Il y a eu, bien sûr, des incendies et il y a eu un changement climatique. Et ce sont des éléments qui peuvent être pris par les enseignants. La dimension civique peut être reprise par les enseignants. Et la génération à venir va devoir se pencher sur ces éléments également. Et alors, bon, les enseignants, à ce niveau, ont un sentiment d'utilité. Et je crois qu'on a l'occasion ici de réinventer beaucoup de choses qui peuvent être faites et prises en compte par les enseignants également. Merci. Alors, je crois qu'il y a justement des questions qui vont arriver là-dessus. Puis on a prévu de vous laisser une large plage horaire justement pour réagir. Donc, on va commencer à prendre vos questions dès à présent. Manal Azi de l'Organisation internationale du travail. Alors, je vois que Marie-Noëlle Vercamp
vous avez déjà répondu par chat, mais ça peut être intéressant de réexpliquer ça à tous. Donc, vous demandiez si les auteurs des victimes peuvent être des élèves et des parents d'élèves, ou si ce sont aussi des enseignants. Je ne sais pas si on vous donne la parole directement pour poser votre question. Sinon, Marie-Noëlle. Oui, une question a été posée sur les auteurs des faits de violence. Alors, je dirais que ça dépend des pays, mais on retrouve des élèves, des parents d'élèves, mais aussi de manière presque équivalente d'autres membres du pré-personnel, des collègues ou la hiérarchie. Donc, voilà, c'est difficile de tirer aussi les généralités, mais ne pas négliger. C'est l'une des raisons peut-être que la violence semble si prévalente, c'est cette diversité des acteurs dans la communauté éducative, et donc les conflits peuvent venir de ces différentes sources. Bon, et il y a aussi probablement une sensibilité à la violence qui a dû être exacerbée. Parce qu'on parle de violence, c'est quand même une notion extrêmement subjective. Donc, il faut quand même garder ça en tête. La mesure de la violence doit être aussi, à mon avis, influencée par la culture et par l'état individuel. Un mot peut être, le même mot peut être interprété très négativement si soi-même on souffre. Voilà, donc je ne sais pas du tout pour minimiser la réalité, mais c'est pour mettre en contexte. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais merci Marie-Noëlle, c'est vraiment intéressant, c'est vrai, de poser la question aussi, comme vous l'avez soulevé, Manal, des relations entre enseignants aussi. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout fondé sur la recherche, mais on voit qu'avec les réseaux sociaux, il y a aussi une accélération des échanges, il y a aussi des débats sur la présence des enseignants sur les réseaux sociaux, sur les remarques qui peuvent être échangées. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des questions à explorer. Peut-être, Marie-Noëlle, il n'y a pas d'autres éléments pour mettre en contexte des tendances par rapport au précédent baromètre, non? Alors, j'ai bien sûr pas présenté le détail, mais dans les rapports nationaux, donc pays par pays, on détaille un peu plus les auteurs des violences qui ont été rapportées par les enseignants victimes. Ça permet un peu plus d'approcher. Dans le baromètre, dans cette édition, on n'a pas proposé de champ ouvert pour que la personne raconte ce qui lui est arrivé, mais on l'avait fait dans une enquête il y a une dizaine d'années, et c'est très intéressant de voir qu'il y a bien cette violence des élèves. On sait tout de suite à celle-là qu'on pense, mais finalement, c'est presque pas la plus importante et celle qui pèse vraiment. Parce que celle-là, elle est normale, mais celle qui pèse vraiment, c'est celle des collègues, de la hiérarchie. C'est du harcèlement, c'est ce qu'on appelle le harcèlement moral. Enfin, c'est la violence au travail, au sens travail, pas la violence scolaire, au sens scolaire. D'accord. Alors, j'ai bien noté. Alors, il y a déjà deux autres questions. On me demande de donner la parole à Luc Beauregard, qui a participé au baromètre depuis le Québec. Donc, si on peut entendre sa question. Oui, bonjour. Vous m'entendez, oui? Oui, c'est mieux, oui. Oui, non, peut-être. Oui. Donc, parfait, merci. D'entrée de jeu, remercier tous les gens qui ont participé au baromètre, mais particulièrement... les personnes qui ont participé au Québec. Nous nous attendions à une participation environnant les 1000 répondants et nous avons atteint plus de 2300 répondants. Donc, je pense que c'est un succès qui a été, pour un premier événement, je trouve que c'est un succès qui a été fort intéressant. La question que j'ai, on arrive avec un fait qu'au Québec, 91% des enseignantes et enseignants ne se sentent pas valorisés. Mais, ce qui est un peu dichotomique, c'est qu'on a 72% qui considèrent être valorisés par leur hiérarchie et leur direction. Certains, au Québec, appelleraient ça le malaise enseignant. Donc, le fait de ne pas
reconnaître une valorisation qui, je pense, pourrait être là, mais ils ne la sentent pas, ils ne la reconnaissent pas. D'où pourrait émaner cette situation-là? Puis j'ajouterais, on le voit dans d'autres résultats, quand on entend que 71% des répondants sont satisfaits de l'enseignement qu'ils ont, du métier qu'ils font, mais 46% ne reprendraient pas ce métier-là si c'était à refaire. Donc, d'où vient ce malaise enseignant qui semble être tangible à travers toutes les régions qui ont été questionnées? Merci. Alors, lequel des experts, Marie-Noëlle, veut répondre? Je vous laisse prendre l'initiative, prendre la parole. Simplement, c'est intéressant. Il y a la reconnaissance réelle et la perception de la reconnaissance. Bon. Et de parler de la reconnaissance de la société, c'est déjà assez conceptuel et difficile d'avoir une idée, mais souvent, on imagine un lien de causalité, pas de reconnaissance, mal-être, mais parfois, c'est aussi dans l'autre sens. Mal-être, impression de pas de reconnaissance. Dans le cadre du baromètre, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va. Souvent, c'est bidirectionnel. Voilà, donc je ne peux pas dire plus que ça, mais c'est intéressant comme sujet, essayer de comprendre s'il y a vraiment ce manque de reconnaissance et pourquoi. Denis, Sandy ou Aldis, l'un d'entre vous a-t-il une réponse à apporter à Luc Beauregard? I don't know if I have an answer, sorry Andy. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais moi je pense que d'un point de vue d'une direction d'école, il est très important pour les directeurs d'avoir un message comme quoi vos enseignants ne se sentent pas valorisés. Alors, il faudrait qu'ils comprennent pourquoi ils ne se sentent pas valorisés. Alors, bon, essayez de savoir pourquoi ils n'ont pas ce sentiment, justement, d'être appréciés et valorisés. Voilà, c'est une idée. Alors, les données contradictoires nous donnent une occasion extraordinaire de poser des questions, quel que soit le pays ou la culture, pour différentes raisons. Les données, malheureusement, ne donnent pas de réponse définitive, mais permettent de poser des questions importantes. Alors, quel type de violence, pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne notre travail ou le monde? Toute étude globale telle que celle-ci permet effectivement de déboucher sur un certain nombre de questions intéressantes. On a fait par exemple une recherche internationale sur le bonheur et certaines cultures. Aux États-Unis, ils adorent parler de leur bonheur. Le bonheur, c'est magnifique. Il faut dire à tout le monde qu'on est content, qu'on est heureux, qu'on est bien. Mais d'autres pays, d'après la culture, il est vulgaire de parler de votre bonheur en public. Alors, on ne va pas raconter qu'on est heureux. Denise ? Ah oui, non, Andy, vous continuez. On vous entend plus. Tout cela pour vous dire qu'il y a des significations culturelles à ce que nous trouvons. Et il ne faut pas les nier. Cela nous permet effectivement d'identifier ce qu'on doit vraiment creuser, ce sur quoi on doit continuer à travailler. Alors, les enseignants ont fait beaucoup de choses à titre de privé, parce qu'en fait, ils travaillent toute la journée et le public, bien souvent, n'a pas accès à ce qu'ils font. Et avec la pandémie, les parents, les grands-parents ont eu accès justement à cette information, à la manière dont les enseignants ou l'enseignement se fait. Et beaucoup d'enseignants n'avaient pas non plus d'expérience en termes d'enseignement à distance. Donc, les enseignants ont été projetés dans un mode d'enseignement qu'ils ne connaissaient pas, avec des résultats variés. Mais il faut qu'on
soit dans des sociétés où le travail des enseignants est hautement apprécié. Et chez nous, nous avons beaucoup d'enseignants qui quittent le secteur parce qu'après le stress de la pandémie, ils ne résistent pas. Alors, il y a beaucoup de problèmes sociaux, psychosociaux, de burn-out et c'est un moment extrêmement difficile. Il faudrait pouvoir vraiment capter cette situation, voir ce que nous pouvons faire, quelle est la stratégie on peut mettre en œuvre pour gagner en fait le soutien et l'appui, l'accompagnement du public. Il y a justement une question dans le chat sur cette question de la reconnaissance, savoir comment on pourrait œuvrer de manière concrète pour augmenter cette reconnaissance. Est-ce que à travers des enquêtes, des recherches que vous avez faites, vous avez remarquer des paramètres sur lesquels on peut jouer, des actions de terrain qui ont porté leurs fruits de ce point de vue-là. Denis, Sandy ou Aldis? Well, of course, the baseline for recognition is your pay. La base de la reconnaissance. C'est le salaire, c'est la rémunération. Donc, une bonne convention collective, de bonnes négociations collectives sont des bons exemples qu'on atteint quelque chose. Pas toujours ce que l'on veut, mais en tout cas, fort heureusement, il y a des pays qui ont vraiment réussi à bien améliorer les conditions salariales via la négociation collective, les conventions collectives. Donc, pour moi, c'est l'outil de base. Et il y a également des exemples pendant la pandémie du recours à ces outils pour augmenter la reconnaissance ou l'appréciation du travail des enseignants. Par exemple, certains pays ont réussi à faire de la profession enseignante une priorité pour la vaccination, par exemple. Dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Et justement, par rapport à cela, ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas valorisés ou que l'importance de leur travail n'était pas reconnue à sa juste valeur. Il y a des pays aussi qui ont réussi à négocier des rémunérations pour couvrir leurs frais à la maison, les coûts d'Internet, de chauffage, etc. D'autres pas. Donc, je crois qu'on arrive par la négociation collective aussi à avoir une certaine reconnaissance sur certaines choses et pas uniquement une reconnaissance salariale. Voilà, donc pour ça, pour dire que pour moi quand même, l'outil principal, c'est la convention collective parce que cette convention collective s'applique à tous, à toutes. C'est vraiment quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Je dirais également que la recherche a montré que beaucoup d'enseignants n'ont pas suffisamment recours à des services de soins de santé dans le cadre de leur travail. Et là aussi, on pourrait argumenter dans ce sens, négocier pour que la société se rende compte que l'enseignant doit être en bonne santé pour bien exercer son travail. En fait, tout cela est vrai, effectivement, et juste, Aldis, merci. Mais Andy, nos données aussi ont montré que quand les enseignants voient que les étudiants, les élèves se sentent à l'aise, ont confiance, et bien du coup, ça a un impact positif sur l'enseignant. Alors, ça accroît son moral, il se sent utile, il se sent reconnu. Et parfois, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui fait que les étudiants, les élèves sont loin de leurs enseignants. Et donc, du coup, ça a un impact aussi sur l'épanouissement des enseignants. Et que faire pour pouvoir créer un cercle vertueux entre les enseignants, la communauté? Avec Andy, par exemple, on a abordé également les inégalités économiques dans les pays. Il y a des pays où il y a des inégalités économiques significatives, et là, les enseignants aussi sont peut-être moins satisfaits, ont moins un sentiment d'appartenance. Donc, il y a plusieurs choses d'angles à partir desquels on peut analyser les choses pour
pour augmenter justement le sens d'appartenance des enseignants à l'institution sur laquelle ils travaillent, pour accroître la reconnaissance. Alors, je crois que ceci est un moment clé pour le mouvement syndical international. Depuis des années et des années, des organisations internationales comme la Banque mondiale, des entreprises de consultants, des entreprises technologiques, des philanthropies recherchent la manière de réduire le coût de l'enseignement. Et certains donateurs, par exemple, refusent de donner de l'argent à des pays où on essaye d'accroître l'image des enseignants, la valeur de l'enseignant. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont faits pour maintenir le salaire où il est, sans envisager d'autres alternatives. Et en fait, ce qui est important, c'est que la perception qu'on a des enseignants change. Et ça a changé avec la pandémie, parce que maintenant, partout dans le monde, les parents ont vu les enseignants enseigner à leurs enfants. Donc, c'est vraiment un moment incroyable qu'il faut saisir. Les gens se sont rendus compte de ce qu'était la profession d'enseignant. En même temps, j'ai participé à énormément de discussions au niveau mondial où on surestime le pouvoir du numérique qui remplacerait les enseignants. Alors, bien sûr, le numérique a des avantages, c'est indéniable, mais ça nous a aidés, ça a aidé pendant la pandémie, c'est clair. Mais survaloriser le numérique est une manière de plus de réduire le coût de l'enseignement, la qualité de l'enseignement, de remplacer les enseignants par de simples formateurs, guides, coachs. Donc, nous devons vraiment être très prudents, être vigilants par rapport à la direction que prend le débat sur le numérique. Et effectivement, il ne faut pas encourager plus de technologies, mais plutôt l'utilisation éthique des technologies. Et vraiment bien comprendre ce que cela signifie pour l'apprentissage et pour l'enseignement, pour l'apprentissage du point de vue des élèves et pour l'enseignement du point de vue des enseignants. Merci. On va avoir. On a d'autres questions qui arrivent. Avant, en vous écoutant, Aldis, j'avais envie de vous demander, mais vraiment très rapidement, quels sont les pays où justement il y a eu ces négociations collectives qui ont donné de bons résultats. Vous disiez il y en a qui ont obtenu pour des salaires, vous disiez il y en a qui ont obtenu certains avantages au niveau de la vaccination pendant la pandémie. Vous avez quelques exemples à donner aux auditeurs pour savoir où aller regarder, où aller piocher des bonnes pratiques, des exemples. With all reservations here, it's very difficult. Attention, avec toutes les réserves qui s'imposent, c'est difficile de garder un aperçu général de tout ce qui se passe au niveau mondial et de rester à jour aussi. Mais voilà, il y a l'exemple de la Suède avec une compensation pour les groupes vulnérables dans les écoles Montessori. Voilà pour ceux qui ne pouvaient pas avoir accès aux technologies, par exemple. Il y a un accord en Argentine qui garantit le droit de se déconnecter. Ça fait partie donc d'une convention collective. En Pologne, les enseignants ont été prioritaires pour la vaccination. Si j'ai bien compris, en France, on a pu avoir un appui financier pour le télétravail. Il y a des investissements sécurisés dans des infrastructures d'hygiène dans les écoles. C'est le cas notamment en Afrique du Sud. Donc voilà quelques exemples de ce qui s'est passé récemment. Merci, Alidis, pour ces pistes. Donc, les questions qui sont arrivées sur la question de la gestion du personnel. Alors, est-ce que le bien-être dépend de la gestion du temps scolaire? Et à prendre avec une autre question, est-ce que ce bien-être peut être lié aussi au nombre d'élèves par classe, donc à la gestion des effectifs? Voilà. Donc, les emplois du temps, le nombre d'élèves par classe, est-ce que ce sont des facteurs à prendre en compte de manière prioritaire? Moi, je vais peut-être quelques éléments. Oui. Ce sont des facteurs, mais parmi bien d'autres. Et le baromètre ne peut pas répondre à cette question. Il montre juste que il y a des pays où les classes sont plus importantes et le bien-être n'est pas
moins bon. Voilà, donc, voilà, ce n'est pas si direct que ça, en tout cas, de ce qu'on peut ressortir des enquêtes. Denis, Andy, Aldis, vous avez envie de réagir là-dessus? I was very interested in that with the Mexican data because Mexicans have a large class size. Alors, j'étais amusée par la réflexion du Mexique parce que là, les classes sont vraiment très nombreuses. Donc, c'est sans doute un aspect assez culturel aussi. Et donc, je vois que nous avons plusieurs collègues du Mexique. Et en fait, c'est une culture très pro-sociale avec des choses qui font que, voilà, oui, on prend de plus en plus d'enfants dans les écoles, dans les classes, mais c'est aussi une question de culture, donc. Ou dans d'autres cas, il y a des alliances avec la société civile. Donc, dans l'école, on n'est pas toujours seul, c'est le cas en Espagne. Donc, des associations entre des écoles et la société civile, les associations de parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pour les activités sportives, avec le voisinage. Et donc voilà, je trouve que c'est des données très intéressantes. Et je suis d'accord avec Marie-Noël, c'est difficile de voir une cause directe, d'établir un lien direct. Oui, je suis d'accord. La recherche donne des réponses différentes à la question sur la taille des classes, le lien avec la taille des classes. Mais je vais vous répondre en tant qu'enseignante. J'ai toujours senti qu'il était plus facile pour moi de faire mon travail avec une petite classe. Ça veut dire tout simplement que je pouvais m'intéresser plus à chaque enfant. Et si vous sentez que vous faites mieux votre travail, ça automatiquement renforce votre bien-être parce que du coup, vous vous sentez un meilleur professionnel. Donc, de ce point de vue, je dirais que oui, pour moi, c'est comme ça. Donc, pour beaucoup, je pense qu'il y a un lien direct entre le bien-être et la taille de la classe, le nombre d'élèves par classe. Oui, merci, Aldis. En fait, il y a une question dans les données par rapport à cela. Il y a d'une part la taille de la classe, le nombre d'élèves, donc, et le temps que vous passez en dehors de la classe pour préparer vos leçons, etc. Et ça, c'est un lien qui peut être intéressant à étudier. Et plus on favorise des politiques en faveur de plus d'inclusion, de plus d'inclusion, de la diversité, plus on répond aux besoins spéciaux, plus... il y aura une variété, plus il y aura de diversité dans la classe. Dans ce cas-là, alors plus la classe est réduite, plus la classe est grande, plus on a besoin de temps pour se préparer et plus on a besoin d'un personnel supplémentaire dans la classe pour nous aider. Si on a une classe très diversifiée en termes de besoins spéciaux, d'origine, de langue. Justement, Andy, il y a eu dans le chat une question sur l'inclusion, sur la question, alors elle est apparue en français, sur la question de la prise en charge des élèves en situation de handicap. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de cet accueil, de la diversité, aussi du manque de moyens. Alors, je voudrais faire peut-être un petit lien avec ce que vous disiez sur le numérique. Il va y avoir beaucoup de gens d'intervention qui vont dire, voilà, le numérique, c'est un moyen en plus pour personnaliser, pour adapter justement à cette diversité de situation, donner des atouts aux élèves et mieux gérer la classe. Bon, à vous entendre, je pense que la réponse sera non, mais voilà, est-ce que vous avez une réaction là-dessus sur les moyens donnés aux enseignants? Non, ma réponse n'est pas négative du tout. D'accord. Donc, c'est une question d'équilibre. Il faut une politique sur des technologies éthiques, et du coup, ça peut être bien équilibré. C'est simplement qu'on a l'impression qu'on va trop dans le seul sens de la numérisation. Il y a des choses que des enfants n'auraient pas pu apprendre s'ils n'avaient pas eu accès à des technologies.
que ce soit ce qui concerne des textes qui sont imprimés en beaucoup plus grand à l'écran que ce qu'ils auraient sur papier, etc. Et donc, les technologies peuvent effectivement être très utiles dans une classe très variée, mais ce qu'il faut éviter, c'est de se précipiter, de se dire que les technologies, c'est la réponse à tout. Nous devrions trouver là où, et sa valeur, où réside la valeur unique de cette technologie. Tout comme les livres, les textes ont une valeur unique, tout comme une conversation en face à face a une valeur unique. Et donc voilà, il faut pouvoir aider ce qui nous aide le plus, qui aide le plus les étudiants et les élèves. Alors, est-ce qu'on a besoin des technologies? Oui. Est-ce qu'il faut forcer, obliger les enseignants à utiliser les technologies à un moment où ce n'est pas approprié? Non. Est-ce que les technologies doivent aider les enseignants? Oui. Est-ce que ça doit remplacer les enseignants? Non. Merci. Alors, je vais juste prendre une question qui nous vient du Maroc. Donc, il y aurait un taux, alors je lis, un taux très élevé des enseignants au Maroc souhaitent changer de travail. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet indicateur alarmant? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi tout un discours, peut-être aussi en France, sur les secondes carrières, les changements de carrière. Je ne sais pas, Marie-Noël, là-dessus, il y a quelques points à donner ou de repères? Alors, il y a le micro de Marie-Noël qu'il faudrait réactiver. Voilà. Je pense que les experts de la situation au Maroc seront plus à même de donner des éléments. D'accord. Denis, Andy, sur cette envie de changer de métier du côté des enseignants. Oui, il y a... That's a question I'd love to know is if that's... En fait... Est-ce que c'est une tendance internationale? Je crois que c'est une tendance internationale. En tout cas, aux États-Unis, c'est très clair. Les gens quittent la profession enseignante. Et une des raisons principales, une des causes, c'est la pandémie, la peur de la contamination, le fait que les enseignants ne se sentent pas soutenus, se sentent dépassés par les demandes de devoir enseigner en présentiel et en ligne en même temps. Trop d'exigences reposent sur les enseignants et quand je parle à des directeurs d'école, d'institutions, ils nous disent qu'il va y avoir une véritable pénurie d'ici 2 à 3 ans, notamment en maternelle. Il va y avoir un véritable problème parce que les enfants n'auront pas appris à socialiser parce qu'ils auront raté, par exemple, la première à deuxième année de maternelle. Alors, l'interprète est désolé, mais il y a un problème d'audio. Keep saying I'm muted. Okay. Il faut lâcher la pression qui pèse sur les enseignants en mettant l'accent sur le bien-être. Pas simplement les conditions individuelles, ça c'est quelque chose de temporaire, mais le bien-être universel. Arriver à une équité universelle, ça veut dire qu'il faut se prendre soin les uns des autres, s'occuper les uns des autres. Pour moi, ça, c'est les questions clés qu'on doit se poser maintenant. Ça dépend vraiment de comment on agit, mais ensemble, pas regarder juste les conditions individuelles. Alors, je vois qu'il y a eu des réactions à la fois en français et en anglais assez fortes sur la question du nombre d'élèves par classe. Elisabeth Jacquet qui dit « Entendre qu'il n'y a pas d'effet sur le bien-être d'enseignants me scandalise » et une autre personne, Vishal Apogit. Aurélie, excusez-moi, mais l'interprète n'a pas compris. Là, vous avez lu la question beaucoup trop vite. Je suis vraiment désolée, mais... Oui, d'accord. Alors, on reprend. Il y a différentes réactions sur la question du nombre d'élèves par classe. J'espère que je parlerai. Voilà. Questions aussi bien en français et en anglais. Voilà. Et voilà, il y en a qui disent que, une personne qui nous dit, dire qu'il n'y a pas d'effet sur le bien-être enseignant me scandalise. Voilà, je la cite. Et une autre personne qui dit que ça a un rôle central, ce nombre d'élèves, dans l'efficacité. Des apprentissages. Donc voilà, il y a une demande de précision de la part des auditeurs.
on peut relayer cette demande de précision, sachant qu'on a aussi, il nous reste 10 minutes et on aura une personne de l'Organisation internationale du travail qui veut prendre quelques temps pour les ressources au niveau du bien-être et la gestion. Donc d'abord, la question du nombre d'élèves par classe, voilà, qui suscite beaucoup de réactions. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le témoignage de Aldis était intéressant. En tant qu'enseignant, avoir une classe large, hétérogène, c'est une pression et je l'entends. Ça dépend aussi, bien sûr, de comment sont ces élèves. Et donc, il y a aussi toute cette réflexion culturelle. Donc, voilà. Donc, les témoignages que les gens donnent, ils sont intéressants à prendre en compte, mais il n'y a pas que ça, mais c'est un facteur à prendre en compte, la taille des classes. Et c'est surtout comment l'enseignant le perçoit. Il y avait aussi une remarque qui disait que le ratio professeur-nombre d'élèves était très corrélé à la réussite des élèves. Donc, c'est un élément à prendre en compte, qui milite pour des classes plus petites. On est bien d'accord. Voilà, en fait, ce que vous vouliez dire, Marie-Noël, c'était que c'était un indicateur qu'il fallait remettre en contexte par rapport à beaucoup d'autres indicateurs, en fait. C'était pas du tout le... Une classe de 36 élèves en France, c'est énorme. Une classe de 36 élèves en Afrique, c'est tout petit. Donc, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas donner un chiffre indicatif de ce que c'est qu'une grosse classe, comme ça. Ça dépend du contexte culturel, du contexte économique, de l'attitude des élèves, voilà. Donc le problème est complexe. D'accord. Alors, Manal Aziz, vous vouliez prendre la parole juste 2-3 minutes pour quelques précisions sur les outils à mobiliser. Merci beaucoup. I speak in English, maybe it's better. So thank you so much for all the. Merci beaucoup. À tous les intervenants, Andy, Denise, Marie-Noël et Aldis pour l'excellente étude à l'Organisation internationale du travail. Nous avons un département sur la santé et la sécurité au travail et la gestion du risque est un des points clés pour nos domaines clés. Le risque psychosocial, notamment dans ce secteur, le secteur de l'enseignement, est encore plus une priorité, mais on voit aussi ce qu'on peut apprendre des autres secteurs. Il y a beaucoup de questions liées aux ressources. Les enseignants manquent de ressources pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Ils ont aussi besoin de temps et des bons outils. Et avec la pandémie, les enseignants ont été dépourvus de certains outils, ont dû acquérir de nouvelles compétences dans l'utilisation de technologies, et ce n'est pas quelque chose pour lequel ils étaient tous prêts ou qui était possible partout dans le monde. Donc, ça a ajouté de la pression, du stress sur les enseignants. Il y a également des problèmes de harcèlement dans le secteur de l'éducation comme dans d'autres. Le secteur de l'enseignement comme d'autres secteurs publics, c'est le manque de ressources qui pose problème. En fait, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et c'est ça aussi qui génère beaucoup de frustration. À l'OIT, donc, on essaye moins de mettre l'accent sur l'individu et plus sur ce que peuvent faire les organisations. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent avoir une influence avec leur politique, qui peuvent donc apporter des changements et effectivement, il faut des systèmes d'évaluation des enseignants qui valorisent les enseignants. Bien sûr, la reconnaissance se reflète par le salaire, mais aussi par le fait de garder son emploi, d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée. Il y a différentes choses qui peuvent vous aider à mieux faire votre travail ou être mieux dans votre travail. Alors, j'ai entendu aussi que vous disiez que l'équipement, c'est important, l'environnement, c'est important. Est-ce que si vous enseignez à l'extérieur ou à l'intérieur, est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ce faire?
Donc, ça, c'est aussi la dimension sociale. L'enseignement est aussi une vocation. Et ça, c'est peut-être un problème que des gens pensent que voilà, les enseignants doivent faire le travail parce que c'est pour ça qu'ils sont payés sans se rendre compte que les gouvernements doivent attribuer les ressources et le budget nécessaires et donner du temps également à la formation, à la requalification des enseignants. Donc, il y a tellement de choses à discuter, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, la sécurité de l'emploi. Et puis, c'est aussi aux directeurs, aux responsables des institutions de donner l'exemple, bien évidemment. Donc, c'est très important de dire que l'OIT a adopté la Convention internationale sur le harcèlement. Et c'est maintenant une norme mondiale qui doit se traduire dans des législations nationales pour que petit à petit, les pays changent leur culture. Parce qu'effectivement, la violence est de plus en plus banalisée. Violence aussi en fonction du genre. Voilà, je resterai là pour l'instant. Eh bien, je voulais vous présenter ce que l'on fait en la matière d'interprétation. Désolé, mais l'audio est exécrable. Merci. Oui, écoutez, en tout cas pour ma part, je vous ai bien entendu. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, peut-être juste, il nous reste 4 minutes. Marie-Noël, dans les résultats, on voyait qu'il y avait une question de sollicitation de la voix, la question du bruit. Ce sont des questions en fait à la fois très concrètes et de conditions très concrètes de conditions de travail, mais qui sont souvent un petit peu négligées, non, au niveau sociétal, enfin dans le regard qu'on porte sur le métier enseignant. Question sur le niveau sonore. Le niveau sonore. Des questions aussi sur la voix qui n'ont pas pu être analysées pour un problème technique, mais on développera cet aspect dans la prochaine édition. Oui, le niveau sonore, la voix, la sollicitation, c'est un aspect important à prendre en compte pour l'enseignant. Dans le cadre de la pandémie, il y avait aussi ce masque qui est venu s'ajouter, qui a donné lieu à un effort supplémentaire de la part des enseignants, mais on n'a pas les données pour creuser vraiment cet aspect dans le cadre de ce baromètre. D'accord, mais c'était, voilà, ce sont des résultats à suivre, mais c'est vrai que ce sont des conditions particulières d'exercice, tout comme le nombre d'heures que vous mettiez en avant dans le baromètre. Souvent, il y a des confusions dans le regard du grand public entre le nombre d'heures de présentiel et puis aussi toute la charge de travail en amont pour préparer les cours. Donc voilà, la question de la préparation des cours, la question de la voix, la question du bruit qui sont assez particulières, spécifiques. C'est vrai que ce baromètre permettait de les soulever. Il nous reste 2-3 minutes. On me dit que chacun a le temps. Mais alors vraiment, pour conclure, de reprendre la parole, Denis, Sandy d'abord et puis Aldice. Voilà, si vous aviez un mot de conclusion à donner. Et bien sûr, si jamais ça coupait, on remercie tous les interprètes qui ont dû notamment jongler avec mon débit de voix un petit peu rapide, d'après ce qu'ils m'ont dit, voilà, et qui ont jonglé avec les soucis techniques. Voilà. On vous écoute, Denis, Andy et Aldice. So I think my final word would be that we can make any number. En fait, je terminerai en disant qu'on peut faire beaucoup d'ajustements individuels dans les écoles qui peuvent améliorer les conditions de travail des enseignants. Mais ce que Andy et Denis avons essayé de voir avec notre livre, c'est de voir dans quel sens va le monde, le déclin des démocraties, le changement climatique, les inégalités sociales, tous ces facteurs ont bien sûr un impact sur le bien-être. Donc, c'est très important d'analyser les conditions et de la profession enseignante. Les enseignants ont fait un travail incroyable pendant la pandémie, mais il faut aussi bien comprendre ce qui se passe en dehors de nos écoles. Et comment est-ce que les écoles répondent aussi aux problématiques en dehors de l'école? Oui, alors il y a une crise mondiale du bien-être à cause des conflits, à cause
de la pénétration des technologies numériques. Problème de bien-être à cause du changement climatique, du déclin des démocraties, des inégalités gigantesques. Mais il n'y aura pas de bien-être des étudiants sans un bien-être des enseignants. Si les étudiants sont malades, les étudiants le seront aussi. Et donc, ce n'est pas par égoïsme qu'on veut accorder de l'importance au bien-être des enseignants. C'est tout à fait essentiel pour le bien-être des étudiants, des élèves. Et ce faisant, nous devons nous assurer d'éviter de ne pas se tromper d'objectif. C'est d'aider les enseignants à enseigner et pour qu'ensemble, ils aient un impact positif sur la société. Et donc, nous devons à tout prix organiser toute la négociation autour de cela. Oui, tout à fait d'accord. En fait, le bien-être des étudiants est important pour le bien-être des enseignants. Si vos étudiants se sentent bien, n'ont pas peur du changement climatique ou ne doivent pas se préoccuper parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils vivent dans un état de pauvreté insupportable, tout cela crée un meilleur environnement d'enseignement. Donc, tout à fait d'accord. Nous faisons partie d'un ensemble et c'est ça qui doit éclairer nos décisions et nos priorités. Je voudrais vraiment encourager tous nos membres de ces 6 territoires juridictions d'étudier les données dans vos pays respectifs et de commencer à discuter de ces données et ce que l'on en retire. Dans quelle mesure est-ce que ça nous aide à prendre les bonnes décisions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre les bonnes décisions pour nos membres? J'ai été contente d'entendre que l'OIT recommande effectivement de se pencher sur le harcèlement et la violence partout dans le monde. C'est important que nous ayons cette norme maintenant et qu'il faut que ça se traduise dans la législation nationale parce que c'est très important de voir aussi comment cette violence, cet harcèlement se renforce aussi par les technologies parce qu'on est habitué à la violence en présentiel, mais la violence dans le cyberespace est très, très complexe, très difficile à appréhender à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. Il faut à tout prix développer des stratégies pour lutter contre cela. Et en tant que syndicat, on ne baissera jamais les bras parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous définit. C'est pour ça que nous sommes des syndicats. Parce que c'est ça que nous recherchons, c'est le bien-être de tout un chacun. Donc, on terminera sur cette note combative, cette note d'espoir. Merci Aldis. Donc voilà, ce webinaire est terminé. On remercie toutes les personnes du réseau Éducation et Solidarité et de la Fondation d'entreprise MGEN qui ont aidé à l'organiser, notamment Louise Magnard et Sonia. Désolée, Sonia, je me manque votre nom de famille, voilà. Mais donc, il y avait des personnes à l'arrière qui passaient les questions et qui ont synthétisé toutes ces données. Et merci aux participants pour leur intérêt et leur participation au chat. Merci. Thank you. Bon. Thank you. Merci, au revoir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pleasure to work with you. Thank you, Marie Noel. Great report. Thank you. Glad to meet you. Yeah. And thanks, Aldis. Enjoyed your remarks, as always. Yeah, bye-bye. Bye.